sont depuis quelques années. Depuis quelques années, l'impression qu'on a, c'est qu'on veut écarter toute visibilité religieuse et une religion en particulier, puisqu'il s'agit essentiellement de l'islam, l'écarter de la visibilité de la majorité. Or, la France est un pays qui se transforme. Elle se transforme parce que peut-être qu'il y a, les musulmans étant de plus en plus nombreux, elle peut se transformer sur le plan architectural par l'existence de minarets. Il y a des musulmans qui font le choix de porter de manière visible leur foi. Ça ne les empêche pas d'être des individus, des citoyens à part entière. Il y a une polémique extrêmement importante l'année dernière, moi qui m'a semblé en tout cas à laquelle j'étais attentive, c'est cette candidate qui avait choisi de se présenter voilée. Alors, elle respectait tous les critères du code électoral, sauf qu'on considérait qu'elle n'était pas légitime pour représenter les citoyens. On a une norme, si on considère que des gens ne nous représentent pas, c'est de ne pas voter pour eux. Mais on ne peut pas interdire l'accès à la démocratie de gens sous prétexte qu'ils pratiquent des religions dont on n'est pas les croyants. Je crois que le devoir de la gauche, c'est d'être solidaire et de soutenir les minorités. Tout à l'heure, il y a une intervention sur le féminisme. Je crois qu'il y a une question qui divise aussi le féminisme, c'est la question, cette question-là. Je crois que les femmes, avant d'être voilées ou non voilées, ce sont des femmes qui sont dominées en tant que femmes. Et je crois que toutes les féministes devraient entendre que on est quelque part sur le même bateau, et instaurer une division entre des femmes qui seraient dominées parce qu'elles portent un voile et d'autres qui seraient libérées de toute domination parce qu'elles ont fait d'autres choix, je crois que c'est aussi une des erreurs de la gauche. Et on va vous parler de la gauche. Je pense que terminer, alors notre prochaine cérémonie, c'est d'ailleurs au mois, donc elle aura lieu le 19 mars au Cabaret Sauvage. 19 mars, effectivement, au Cabaret Sauvage. On est assez mobilisé sur l'opération, puisque, comme vous le savez, effectivement, on est en période de campagne électorale. Et malheureusement, cette dernière année, en tout cas, on a pu assister à un florilège de propos soit xénophobes, dont d'ailleurs Eva Joly a été victime, que ce soit lors du 14 juillet, en tout cas, pour nous, ça nous a semblé assez incroyable qu'on puisse comme ça la stigmatiser en raison de ses origines. Et je ne veux pas rappeler l'épisode Jean-Vincent Placé, en tout cas, lorsqu'il a été au Sénat et qu'il a été victime de propos, en tout cas, xénophobes. Voilà. Nous, notre objectif, c'est de lutter contre le racisme, contre les propos qui sont stigmatisants, qui sont émis de la part d'élites, de politiques, de journalistes, d'écrivains, de personnes d'influence. Voilà, j'en ai fini. Merci pour cette intervention. Nous avons au 19 mars, le choix du nominé va être très très dur. Merci à Rokhaya Diallo et Gilles Sokotiou pour cette intervention. Magnifique.